match. C'est les faiblesses que vous allez nous rappeler. Évidemment, sur une surface aussi rapide, le service sera déterminant. Oui, c'est vrai que l'INSEE, depuis donc elle joue là depuis la semaine dernière, elle sert très très bien. C'est vrai que sur cette surface, c'est très important de bien servir. Et... au meilleur des trois sets, c'est la première fois depuis 16 ans que le Masters revient au format habituel pour la finale de ce tournoi. Ouais, voilà, là on a pu voir dans ce point toute la puissance d'une Lindsay Davenport tout en dans le cours, donnant des balles très très lourdes. Plus fraîche, oui. Elle est plus fraîche que moi, ça c'est sûr. Lindsay effectivement qui s'est arrêtée de manière un peu forcée en raison d'une blessure. Elle a eu une blessure au poignet gauche qui l'a perturbée pendant une bonne partie de la saison. Ouais, c'est un avantage, c'est vrai que de mesurer 1m89 sur le plan du service, c'est vraiment un grand avantage. J'aimerais bien mesurer 1m90, mais je ne sors pas trop mal pour ma taille, ça va. Elle était limite. Dès qu'elle a gagné 6-4, 7-6. Ça, c'est bien joué. Oh là là, c'est bien joué ça. C'est simple. Ça demande pas beaucoup d'efforts. Retour très long et hop, elle voit Martine en difficulté. Elle rentre dans le court et elle volaille. C'est bien joué. C'est parfait. Martina joue un petit peu court là pendant l'échange et Lindsay. Ouais, c'est parfait. En cours, elle finit par une très belle volée. Là, il y avait Stéphie aussi mardi dernier. On lui a remis un beau vélo, un beau mountain bike tout jaune. Ah. Ouais, on va avoir le temps d'en faire maintenant. Martine Hingis pour l'instant s'intéresse au simple et elle a du mal notamment en raison de la réussite de Davenport au filet. Elle sait Davenport qu'elle doit raccourcir les échanges, mettre énormément de pression sur Martina et elle le fait très bien depuis le début du match. C'est magnifique. Balle de double break. À nouveau. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Et Martina furieuse. Furieuse d'être ainsi dominée. 4 jeux à 1 pour l'Inse. Ça la gêne pas, hein, les balles un petit peu hautes, ça la gêne pas du tout. Lindsay restera aussi deuxième. Quelle puissance encore dans ses coups là. Et c'est vrai qu'elle arrive à régler son rythme sur n'importe quelle balle. C'est sa grande force, aussi bien en coup droit qu'en revers. Ah, ça c'est parfait là aussi. Par de l'arbitre.
Cynthia Davenport et elle conclut cette première manche par une volée gagnante. C'est bien joué d'entrée car contre l'INSEE c'est quand même un gros problème. Non, elle est inlobable. Elle a une bonne réaction sur ce coup. L'échange était long et c'est vrai que sur les échanges longs, elle peut perdre beaucoup plus fréquemment le point. Voilà, c'est bien joué de la part de Martina. Elle a bien anticipé le revers croisé, elle a pris la balle très très tôt et elle déborde l'INSEE. Elle l'a fait très bien bouger là dans ses deux derniers échanges. Quelle précision elle a Martina dans ses coups. Et oui, c'est Master Féminin 1999. Oui. Un drôle de rebond là tout de même. Ouais, bon ace. C'est vrai que Martina n'a pas touché la balle. Bah là non plus, mais il n'y a pas eu de pour l'instant. C'est parfait, il n'y a rien à dire. Et le break est fait par l'INSEE Davenport. Martina Hingis, elle n'a que 19 ans encore. Et Davenport. Oh, c'est parfait, c'est parfait. Oh, que c'est bien joué. Elle est capable. On va lui faire commettre des doubles fautes. Elles se connaissent bien toutes les deux, ça se voit. Car après. C'est bien touché, ça. On avait l'impression qu'elle était un petit peu. Oh, c'est bien joué, ça. Qui est en train d'aller très vite, une heure de jeu seulement pour l'instant. Une heure de jeu c'est parfait. Et trois balles de match pour l'INSEE Davenport. Elle fera peut-être un jeu de moins aujourd'hui Martina par rapport aux deux rencontres précédentes. C'est dire. Et un ace. C'est parfait. Un ace de plus au 9e. Le match parfait réussi par l'INSEE Davenport qui n'a pas raté le début de la rencontre et qui a été impressionnant tout au long de ce match, Nathalie. Oui, je dirais même quand même tout au long de la semaine, car elle est arrivée ici blessée. Elle savait, jusqu'au dernier moment, elle ne savait pas si elle allait vraiment jouer le master ou pas. Et puis, je peux vous dire qu'elle a passé énormément de temps chez les kinés cette semaine. Et quand elle était sur le court, elle a toujours donné son maximum. Je sais
essayer de jouer de manière agressive aujourd'hui. Pendant jouer mon meilleur match depuis toujours, le Vincent Davenport effectivement n'a pas raté grand chose aujourd'hui. Schellert, Yvonne Goulagong, Martina Navratilova, Steffi Graf dont le nom flotte juste à côté de cette deuxième bannière. Saison 1999 pour ce qui est du tennis féminin. On vous retrouvera avec plaisir en l'an 2000.